Salut à tous, on se retrouve pour aller au stade de culture les amis. Donc là on a un champ déjà semé depuis un peu un bout de temps. Et ensuite on va continuer après. Voilà. Allez, je me repose. Alors ici c'était le bruit. Vous voyez, il y a la bourrée des chômés, je crois. Voilà. Je vous faire montrer un petit peu le bas. Voilà. Pour mes suites. Alors là, on a un champ en couvert végétal. Là aussi, je crois, qui n'avait pas été broyé, qui n'avait pas été labouré non plus. Donc voilà. Il y a peut-être des tracteurs qui vont venir les commenter avant de broyer et labourer et puis se mettre en culture d'orge, je pense, ou peut-être. Donc voilà, là en face on a un champ de blé, une belle parcelle encore, donc vous voyez. Et là-bas on a juste un petit, une petite irrigation d'eau avec la foreuse qui a été creusée un bon mètre intime. 1 mètre, je crois, 1 mètre de longueur, je pense. Voilà, donc j'espère que vous aimez le paysage que j'ai chez moi. Et voilà, encore une petite. Donc là, on est juste là. On est au bout, le bout, je crois. On est là-bas. Donc je vais vous faire voyager le champ là. Voilà, là, on a les passages de traitement, comme vous voyez, là-bas aussi. Là c'était du blé ou de l'orge, je pense, l'orge d'hiver, je pense qu'il a été semé, je pense, hein. Je vais pas dire de conneries, je sais pas, je vais vous faire montrer la longueur du champ, donc j'irai pas jusqu'au bout, mais vous verrez, on a même une largeur, une longueur plutôt. Donc là-bas vous voyez des petits déchets, vous voyez, ils ont creusé comme ça, des rigues. Pour faire l'évacuation d'eau. Et donc voilà. Là ils ont fait un passage là. Et puis c'est tout cool. Allez, moi je vous laisse faire cette bonne parole. Et on se retrouve sur un autre champ. Là on a un champ de betterave qui a été récupéré, qui est encore des ornières. Là c'est un petit champ pour voyez un petit peu. Là en face on a un petit tas de compost qui va dépendre sur le couvert avant d'être détruit, je pense. Je pense que c'est ça. Donc du compost, une longueur vraiment. Jusqu'au bout là-bas. Là voilà. Là on a eu un champ de patates. Là au côté c'est des betteraves. Là on a un champ de patates qui a été récolté. Qui a été pour encore décompté. Normalement quand la terre est dure après là, on décompacte normalement. Il décompacte. Au mot parce que j'en suis pas un agriculteur. Je vous redis. Donc là on avait des patates qui étaient irriguées pas si peu, mais bon, ils ont été irriguées. Voilà, là on a un petit champ, des petits tas de fumier. Là et là, donc, vous voyez, on a encore des belles parcelles. Comme là, des belles parcelles comme ça. J'espère qu'on en a beaucoup. Après, il n'y a que ma région là, que mes deux villes à côté là. Sinon j'aurais pu y aller autre part, mais bon. Voilà. Donc là voilà. Une petite parcelle encore là. Ouais. Les grandes parcelles là, on va voir un peu. Mais bon, ça va faire un petit léger. Un
j'ai la team, j'ai Agressim qui. Oula, c'est là qu'ils aiment bien les grands champs. Il y en a un peu ici, dans le nord. C'est entre deux murs. C'est des semis. Hein. Là aussi. Désolé des bosses. Après voilà, allez, à tout à l'heure. Donc là je vous ai dit que j'allais faire un récap, mais bon, je fais pas un récap, je fais encore des petites vues des champs, des pompes électriques. Là vous voyez, c'est du blé, là-bas au bout il y a des ornières. Voilà. Voilà les petites parcelles. Donc là bon, on a une grande ferme. Là, je sais pas si vous allez voir, mais bon. Je vais vous faire un zoom, je vais reprendre après et voilà. Je vous reprends tout de suite. Allez, à tout. Bon, donc je peux pas faire de zoom les amis, mais bon, il y a le champ là-bas. Il y a un champ. Donc là bon, on a une sucrerie là-bas. On a une. Genre la coopérative, je crois. Je sais plus ce que c'est, mais on a la sucrerie là, ici, mon doigt. Et là, on a une petite cope, je crois, là, ici, là. Petite cope au grain. Voilà. Alors, les amis, je vais faire un petit. Topo. Une pause et je crois après dès que il y a des champs. Voilà, et à toutes. Donc j'espère que vous avez aimé les petites vidéos de champs, tout ça, les petites parcelles, on dit, mais les bonnes grosses parcelles que je vous ai fait montrer. J'espère que vous avez aimé, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir tous les notifs, parce que des fois YouTube bug, donc les notifs vous les avez pas, donc activez ou désabonnez-vous et rabonnez-vous. C'est ça, je regarde le plus. Il y a des passages derrière moi, donc voilà. Et donc les passages, j'espère que ça vous a plu. Donc j'avais fait une petite vidéo l'année dernière, mais j'avais pas eu beaucoup de vues, donc après moi je peux pas pour les vues, mais bon, je pense que ça vous a plu aussi quand même. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un pouce aussi pour l'encouragement des vidéos. Donc les prochaines vidéos, c'est semis de printemps ou semis de betterave, on verra. Je verrai ce que l'on a à faire là, ce qu'ils font en ce moment. En ce moment c'est labourage et destruction des couverts et tout, donc il n'y a pas, à part ça, j'ai vu il y a 2-3 jours, il y a 3 jours je crois, j'ai fait un tour et il n'y avait que ça, il y avait labourage et destruction des couverts. Mais après je vais peut-être vous faire montrer une vidéo de printemps, semis de printemps, dès que les betteraves et semis de maïs qu'ils ont commencé, les passages, les passages, mais les
préparation de champ pour les terres à betteraves et maïs. Donc dès qu'ils ont recommencé, bah, je vous ferai une vidéo. Mais pour l'instant, je viens de commencer, donc c'est les labours. Et si je vous fais une petite vidéo labour, je pense que ça vous plaira, je pense. Avec des belles ensembles, des beaux ensembles. Et voilà. Allez, moi je vous retrouve. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un petit pouce pour l'encouragement, les amis. Allez, ciao, c'était Clamery.